disparition de Blancas et Rougeol, histoire écrite par Bernadette, Claudine et Géraldine. Il était une fois à Nainville, six frères et sœurs qui décidèrent d'aller faire le tour du monde pour retrouver leurs parents disparus. Ils montèrent à bord du bateau le Connemara pour traverser les lacs magiques. Ils arrivèrent sur l'île de Sossol où vivait l'ogre jaune. Bonjour, toi. Dis donc, ogre jaune, aurais-tu vu nos parents? Blancas avec son haut de forme blanc et Rougeol avec son voile rouge. Non, non, répond l'ogre jaune, mais allez donc demander à maman de Kirikou. Voilà reparti sur le Connemara en direction de l'île de Malabamou. Blancas avec son haut de forme et Rougeol avec son voile rouge. Désolée les enfants, je ne les ai pas vus, déclare la maman de Kirikou. Mais allez demander à la danseuse au pied de serpent. Les enfants remontent sur le Connemara et volent en direction de l'île aux serpents. Bonjour toi, dis donc, danseuse au pied de serpent, aurais-tu vu nos parents? Blancas avec son haut de forme blanc et Rougeol avec son voile rouge. Eh bien non, s'excuse la danseuse au pied de serpent, mais je connais quelqu'un qui pourrait vous aider les enfants, c'est le vieux chêne qui sait tout. De retour à bord du Connemara, les enfants sont impatients d'arriver sur l'île aux enfants. Bonjour toi, dis donc vieux chêne qui sait tout. Aurais-tu vu nos parents? Blancas avec son haut de forme blanc et Rougeol avec son voile rouge. Oui, j'ai rencontré vos parents. Ils ont croisé le chemin de Pessouille, la fée maléfique, et d'un coup de baguette magique les a réduits à la taille d'un pouce. Et ne pouvant plus rentrer chez eux, je les ai recueillis dans mon tronc. Le vieux chêne récite doucement la formule magique. Ouvre la boue, la porte et la bobinette chira. Mais qui démontre que dans la vie, l'amour fait faire de belles choses.